Catherine Santo, Catherine Santo est paysagiste-concepteur, docteur en architecture, enseignante également. Elle a préparé son intervention à Bordeaux, euh, en allant voir Jean-Pierre Beria qui hélas ne pouvait pas être là, euh, sur les premières étapes de la carrière d'alphon donc à Bordeaux et dans les Landes. Alors malheureusement on ne peut pas éteindre les lumières, mais j'espère que vous verrez quand même un peu ce que euh, J'ai prévu de vous montrer. Euh, alors, comme le disait Michel Audouy, normalement, cette présentation aurait dû être faite par Jean-Pierre Berriac, qui est archiviste, documentaliste, historien, historien des jardins, euh, grand spécialiste de toute l'histoire de Bordeaux sous toutes ses formes. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas être là. Et donc, comme je fais partie de l'équipe organisatrice, donc de l'École euh, nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, on m'a demandé... Euh, de, faire, enfin de, de le remplacer. Donc je suis allée le voir, on en a parlé, mais je dois dire quand même je ne suis pas spécialiste d'Alphon à Bordeaux. Donc alors que tout à l'heure on a une présentation qui était le fruit de dix ans de recherche aujourd'hui, enfin, moi ça sera un deux mois. Et donc je m'excuse par avance de, 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 de toutes les choses que je dirais un peu rapidement ou les erreurs que je ferai. Elles sont toutes les miennes et pas celles de Jean-Pierre Berriac. Alors, Jean-Pierre Berriac voulait commencer par cette situation, euh, parce que c'est un peu ce qu'on dit euh, sur euh, Alphand. Bon, on s'intéresse à Alphand et Haussmann à Paris, et assez peu à ce qui se passait avant. Et donc, ce qui se passait avant, ici, euh, Pierre Lavedan le dit en une phrase de Bordeaux, euh, donc Haussmann à plat, de Bordeaux, Alphand et Barrier des Champs. Alphand était ingénieur en chef de la Gironde, il en fit le directeur des travaux de Paris, et surtout les jardins, bon, etc. Euh, donc ce qui l'intéressait, c'était de voir ce qu'il y avait derrière cette toute petite phrase, quelle était la, la complexité des relations qu'il y avait entre euh, Alphon et Haussmann à Bordeaux, qui a fait que Osman a pris la décision de lui demander de venir. Alors suite au, à déjà ce qu'on a entendu ce matin, je sais que j'ai rapidement rajouté ce texte. Alors c'est un texte euh, qui date de 1899 et qui reflète ce qui a été déjà dit sur la grande admiration. Euh, envers Alphand au moment de sa mort et, et après, quelques temps après. Donc, c'est un texte qui a été lu en 1899. Euh, au moment de sa mort, quand il y a eu énormément de textes, très peu parlaient de Bordeaux, ou s'ils en parlaient, c'était d'une manière tout aussi rapide, en disant, voilà, il venait de Bordeaux, il avait rencontré Osman à Bordeaux. Ici, c'est un texte qui, exceptionnellement, on parle un peu plus, mais il en parle avec cette euh, emphase euh, que l'on trouve sur les autres euh, discours sur Alphand à l'époque. Donc, en 1843, envoyé comme ingénieur à Bordeaux, il s'y retrouva devant de grands espaces, alors qu'il venait de la montagne de Grenoble, un fleuve immense, l'interminable désolation des Landes, c'était la manière de parler des Landes à l'époque, et l'océan. Il passa dix ans à lutter victorieusement contre toutes les résistances de ces eaux et de ce sol. Sa reconstruction des quais de Bordeaux, l'établissement pour les travaux du port de puissantes machines dues à son invention. L'installation des premières lignes de chemin de fer, les premiers essais d'assainissement et de plantation des landes, la découverte ou tout au moins l'aménagement comme station sanitaire et hivernale de la baie d'Arcachon. Tout cela rendit en quelques années le nom du jeune ingénieur, si hardi et si habile, populaire dans toute la contrée. Donc là on a vraiment l'impression il a tout inventé, il a tout commencé. Alors ce que je voulais avoir évidemment, il n'a pas tout inventé, il n'a pas tout commencé. Il a participé à tout cela, et c'est un peu ce dont je voudrais vous parler. Alors, bon, déjà, on voit pas très bien, et en plus, avec la lumière encore moins. Je vais vous le montrer tout de suite de manière, je vais agrandir. Mais est-ce que je voulais vous montrer l'autre chose que l'on dit souvent, c'est que euh, haussmann a été préfet à, euh, de Gironde. Il a passé deux ans en Gironde. Il a rencontré euh, Alphonse, et donc il l'a invité à venir à Paris. Mais en fait, la présence... À Bordeaux, de ces deux personnes et aussi de Barrier-des-Champs, était beaucoup plus longue que ça. Euh, et j'ai représenté en jaune, euh, en jaune et en différentes teintes euh, de jaune et de brun, euh, les moments à partir desquels Bordeaux est entré dans la vie de ces trois personnages qui, à l'origine, aucun d'entre eux n'était bordelais. Alors, Haussmann. Euh, a fait des études de droit, et puis ensuite, euh, très vite, d'une part parce qu'il venait d'une famille qui était très proche du pouvoir, du pouvoir euh, euh, Bonaparte, enfin de, de la famille de Bonaparte, mais également de, de la famille royale, donc il était connu et rapidement remarqué. Très vite, après la fin de ses études, il est nommé secrétaire général de préfecture de la Vienne. De là, ensuite, il va en Haute-Loire, puis en Lot-et-Garonne. Et en Lot-et-Garonne, il n'est plus très loin de Bordeaux plus, il va à Nérac, dans une ville où il y a une grande communauté protestante. Il est lui-même protestant. Il crée des liens avec les protestants de Bordeaux. Euh, il a pas mal de connaissances. Et puis, finalement, en 1838, donc six années après être arrivé à Nérac, il épouse Octavie de la Harpe, qui vient d'une très grande famille protestante bordelaise. Et par cela, il devient un citoyen de la haute, enfin, citoyen, un membre de la haute société bordelaise. Et le reste de sa vie. Va être très proche de Bordeaux. Euh, bon, quelque temps ensuite, il est envoyé en Ariège, mais ça ne dure pas très longtemps. Il revient à Blaye euh, comme sous préfet, et là, c'est tout c'est tout proche de Bordeaux. Il passe toutes ces pardon. Blaye, pardon. <laughs> Excusez-moi. Blaye. Euh... Donc il est sous-préfet à Blight, c'est très proche de Bordeaux, et, euh, il y va régulièrement, il passe son temps avec sa belle-famille, il passe son temps à faire des contacts, enfin il devient un vrai acteur de la vie bordelaise. Alphon, lui, donc Polytechnique et puis euh, l'école des mines, il est envoyé euh, en Gironde, à Bordeaux, et il se trouve qu'il va passer sa carrière à Bordeaux avant d'être euh, nommé à Paris, et lui aussi, il finit après quelques années par épouser quelqu'un qui est une personne... Euh, d'une euh, famille enfin, d'armateurs, donc également euh, assez bien située, même si ce n'est pas le même niveau que la famille euh, de Larpe. Et on retrouve la même chose avec Barry et Deschamps. Enfin, c'est un peu différent, parce que lui, il se marie avec sa femme avant d'aller à Bordeaux, mais sa femme est originaire des environs de Bordeaux, son beau-père a une pépinière à Bordeaux, et c'est comme ça que lui-même va à Bordeaux et finit par devenir également bordelais. Une autre chose que je voulais préciser, c'est qu'évidemment, comme la grande carrière de ces personnes s'est déroulée sous le Troisième Empire, on les associe beaucoup à Napoléon III. Mais ils sont devenus euh, euh, des, des adultes avant, pendant la Monarchie de Juillet, euh, avec les idées euh, de Guizot. Et il y a évidemment une continuité, une continuité qui a déjà été mentionnée dans les précédentes présentations. Mais je pense que c'est important de voir qu'avant euh, ce qu'ils apportent avec eux vient d'une période qui précède euh, le Second Empire. Alors voilà, en continuant, là, ils sont tous les trois installés euh, à Bordeaux, euh, sauf pendant une courte période pendant laquelle Haussmann va à Draguignan. Alors c'est toutes les raisons politiques. Puis il revient à Bordeaux et finalement. Euh, il devient à Bordeaux comme préfet de Gironde, mais donc ça, ça dure assez peu de temps, mais ce n'est que la suite d'une longue vie bordelaise, d'une vingtaine d'années de vie bordelaise qu'il précède. Pareil pour Alphonse, donc il est Bordeaux, il reste à Bordeaux avant de rejoindre Osman à Paris, et on voit la même chose pour Marie et Deschamps. Alors je voulais dire juste deux trois choses sur la monarchie de juillet, mais très rapidement. C'est une période où l'organisation institutionnelle de l'État, des grands corps de l'État, des écoles qui préexistaient pour certaines, pour d'autres, enfin qui, qui préexistaient, qui sont réorganisées. Euh, L'importance du rôle de l'enseignement, alors autant pour l'enseignement supérieur et la création de ce qu'on appelait à l'époque les capacités, euh, donc des gens qui comprennent la politique de l'État et qui sont capables de la mettre en œuvre et qui sont capables de l'enseigner également. En même temps, l'importance des écoles primaires. Euh, C'est le moment, où, le début de la révolution industrielle, ou enfin de son accélération, avec bon, le charbon, la vapeur, les voies de chemin, et dans les transports, les voies de chemin de fer qui transforment évidemment complètement les transports. Mais il y a également l'amélioration des routes, l'amélioration des canaux, euh, des nouvelles formes de financement que demandent euh, ces nouvelles industries, et puis la question de la représentation politique. Euh, qui est quelque chose de très sensible avec beaucoup de débats tout au long de la monarchie de juillet. Euh, en tout cas, ça apparaît très clairement dans euh, les mémoires de Haussmann. Il en parle régulièrement euh, parce qu'il a beaucoup de discussions sur euh, ce, la, les modes de représentation, les modes de représentation nationales, locales et leur évolution. Et quelque part, autour du vote censitaire, enfin, ça se cristallise autour du vote censitaire. Et le vote censitaire, donc, les gens qui peuvent voter ne sont que les gens qui payent. Une certaine somme d'impôts. Alors, au début, c'est très élevé, après, un peu, ça baisse un peu. Mais derrière ça, il y a l'idée que pour participer à la construction de la société, il faut être propriétaire. Parce que si on est propriétaire, on a quelque chose à perdre. Donc, on réfléchit pour ne pas le perdre, mais pour construire ensemble et euh, augmenter ce que l'on a. Donc, euh, c'est vraiment un, un débat. Ce n'est pas juste une question de somme, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Et là-dessus, peut-être qu'Aussmane est un peu. Être plus souple que d'autres, il dit de son expérience de vote local que peu importe la somme du vote censitaire, l'essentiel c'est qu'il y, qu y ait un vote censitaire. Mais elle peut être très basse dès que quelqu'un est un peu propriétaire, son attitude par rapport au fonctionnement de la société et de l'État change, il devient raisonnable et rationnel dans ses choix. Alors nous avons ici deux personnes qui, dans ce contexte, choisissent de servir l'État. L'un, dans l'administration et l'autre comme ingénieur dans les ponts et chaussées. Par ailleurs, Haussmann lui a fait des études de droit. Et on retrouve parmi les grands personnages qui ont joué un rôle euh, dans la monarchie de juillet, soit ils ont fait des études de droit, soit ils sont des ponts et chaussées. Bon. Il y a quelques exceptions, mais presque tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai un peu regardé, c'était l'un ou l'autre. Alors je voulais parler d'un certain nombre de choses qui, peut, euh, qui intéressent et qui fait partie de la réflexion de la manière dont des personnes engagées à servir l'État, soit comme administrateur, soit comme ingénieur, enfin, les choses, le, le bain dans lequel ils baignent et dans lequel ils développent leurs activités. Euh, alors d'abord le développement des routes. Mmh. Et le développement des routes à différents niveaux, les routes au niveau national, mais également l'importance des chemins locaux, des chemins vicinaux. Et le gouvernement euh, de, de juillet fait plusieurs lois en votant des crédits spéciaux. Alors il y a les crédits pour l'entretien, puis des crédits spéciaux pour des réparations, pour, des, pour compléter euh, des, des morceaux de route qui manquent, euh, pour mettre en place des chemins vicinaux. Et c'est quelque chose qui... En tout cas, pour Haussmann pour en particulier, est très important parce qu'en tant que sous-préfet, il a été dans des sous-préfectures qui sont des petites villes qui sont souvent très, très difficiles d'accès. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, quand il parle de sa première sous-préfecture, il a un long chapitre intitulé Un laborieux voyage. Et pendant des pages et des pages, il décrit comment il a dû arriver jusqu'à sa destination avec différents modes de transport, en changeant, en passant par des routes chaotiques. enfin. Et il, il écrit ça, donc en 1890, en supposant que son lecteur de 1890 ne connaît plus ça. Alors nous, on le connaît encore moins, mais déjà en 1890, la manière de se déplacer a tellement changé que ce qu'il décrit est tout à fait inconnu pour ses lecteurs futurs. Alors, il y a les routes, il y a aussi euh, les, les fleuves et les canaux, et donc il y a eu un plan par... Euh, alors, quelqu'un qui a fait des études de droit, Beckham, et qui a été directeur, je crois, des, des ponts et chaussées ou administrateur des ponts et chaussées, qui a joué un, un rôle très important dans tout ce qui concerne toutes les infrastructures, pas seulement euh, la navigation, mais son nom est resté avec ce rapport euh, qu'il a écrit proposé au roi pour la navigation intérieure de la France où il proposait de mettre en place six canaux différents et celui qui nous intéresse ici c'est un, un canal qui relierait la mer Méditerranée à l'océan qui relierait donc le canal du Midi, qui continuerait le canal du Midi par un canal euh, parallèle à la Garonne euh, donc c'est un, un projet tous ces projets ont été lancés dans les années 20 mais ont mis énormément de temps euh, à se mettre en place et puis euh, évidemment les lignes de chemin de fer alors, la France est un peu en retard, ça se développe un peu lentement, mais quand même, ça se met en place. Euh, la première voie de chemin de fer en France, en 1827, c'était le transport de marchandises. Il y avait des rails, mais euh, les trains étaient tirés par des chevaux. Puis, petit à petit, ça s'est euh, développé, c'est devenu ouvert au public, encore tiré par des chevaux. Et finalement, le, la première ligne vraiment euh, 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 pensée pour le transport du public, c'est en 1837, la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Euh, qui avaient été mis en place par les frères Péraire, que je mentionne parce qu'ils sont également bordelais. Euh, et donc, euh, bien qu'eux ne soient pas originairement de milieux aisés bordelais, mais évidemment, ensuite à Paris, euh, ils ont retrouvé ces autres euh, bordelais d'adoption. Alors, euh, une autre chose, j'ai mentionné, oui, alors malheureusement, vous ne voyez pas très loin, pas très bien, moi ici, je vois clairement les, les lettres en, en rouge, mais. Donc, il y a un, tout un mouvement de fond qui se passe, et puis de temps en temps, il y a des lois très importantes, dont, qui sont en partie très importantes parce qu'elles mettent en place des crédits possibles pour réaliser ces différents projets. Alors, la grande loi. Euh, sur les chemins de fer et qui met en place ce réseau en étoile que l'on connaît encore aujourd'hui et qu'on appelle le réseau Le Grand, le Grand étant aussi un ingénieur des ponts et chaussées qui n'a pas seulement travaillé sur le rail mais sur d'autres infrastructures. Euh, donc ça c'était le grand projet national mais qui était là parce que ça faisait partie d'un mouvement déjà de mise en place de projets euh, locaux et entre autres euh, par exemple un projet publié en 1839 pour un chemin de fer qui irait de Bordeaux à Bayonne. Et ce projet n'est pas isolé non plus. Chacune de ces questions ne sont pas isolées. Ce n'est pas les gens qui s'occupent. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, qu'il y a cette interdisciplinarité et transversalité dans le travail des ingénieurs. Ici aussi, en même temps que ce plan euh, d'une voie de chemin de fer qui passerait par, le, par les Landes, il y a de nombreuses réflexions sur la manière de, euh, d'améliorer euh, les Landes, de les, de les mettre en culture. Alors ça, c'est lié en aussi en général à la question de tout ce qui est l'inculture et un peu l'ennemi. Il faut tout mettre en culture d'une forme ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Et les landes aussi sont pensées de cette manière-là. Dans le premier texte que je vous ai lu, vous voyez, les landes étaient décrites de manière très, presque tragique alors donc là je vous ai donné le contexte général de la manière dont à l'époque on pense l'aménagement du territoire pour utiliser un terme d'aujourd'hui et ce qui est la manière dont Alphand comme administrateur et euh, non, pardon, haussmann comme administrateur et alphonse comme euh, ingénieur des ponts et chaussées pensent leur action euh, dans leurs différentes fonctions. Alors, une autre chose, et donc ils arrivent à Bordeaux, et on peut voir quel était Bordeaux lorsqu'ils sont arrivés. Alors, ça, c'est un peu plus tôt, mais Bordeaux s'est beaucoup développé au XVIIIe siècle, est devenu l'un des ports ou le port le plus important de France, donc avec beaucoup d'aménagements, comme d'ailleurs les murailles remplacées par euh, des avenues. Euh, et tout ça a été surtout lié au, au nom de l'intendant Tourny. Euh, on voit. Oh, bon, C'était un peu le grand moment de, du développement de Bordeaux. On voit le nom de Tournée apparaître tout le temps. Mais bon, ça continue au début du XIXe siècle. Vous voyez ce qui est en, en, en vert, c'est l'emplacement du château qui a été démoli, enfin, du château trompette qui a été démoli au début du XIXe siècle. Ça a été transformé en parc, les quinconces. Euh, les anciens murs, on les voit un peu, qui forment les, un boulevard autour de la ville. Le premier pont, le premier pont sur la Garonne qui lie Bordeaux à euh, la Bastide, le village de la Bastide, qui est en face, mais on voit aussi que la ville a commencé à grandir au delà de cette enceinte et qu'il y a un petit euh, enfin pas seulement petit, mais ça commence le long des routes euh, à se bâtir. Alors c'est à peu près l'état dans lequel Alphand et Haussmann trouvent Bordeaux quand ils y arrivent pour la première fois. Alors voici juste quelques vues euh, de Bordeaux, datant à peu près de la même époque. Vous voyez à quoi ressemblaient les quais de Bordeaux. Euh, C'était une... Enfin, ça, ça ressemblait au quai des autres villes, une assez, euh, surface assez étendue sur laquelle qui, on pouvait euh, euh, des, sortir les marchandises des bateaux, les ranger, enfin faire le marché. Enfin, C'était un, un lieu de très grande activité. Euh, par ailleurs, c'est assez difficile aujourd'hui, quand on voit les fleuves dans les villes et même dans les grandes villes, d'imaginer le type d'activité qu'il pouvait y avoir dans les ports à l'époque où on voit des très grands bateaux avec des tout petits bateaux et, et, et ça bouge dans tous les sens. Le premier pont que vous voyez ici est en face du premier pont, euh, les premières façades du 18e siècle euh, de la ville. Alors une autre peinture de la même époque. Donc là vous voyez bien aussi tout ce qui se passe. Euh, au bord de l'eau, entre le fleuve et la ville, et les différents types de bateaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1835, il y avait déjà des bateaux à vapeur sur la Garonne. Le premier bateau à vapeur, c'était 1818. Et là, il y a une peinture que je n'ai trouvée qu'avec une petite définition, mais j'espère que vous pouvez voir. Vous voyez côte à côte ça, un peu qui est comme l'autre, et puis ici, à côté, un bateau à vapeur. Alors déjà à ce moment-là, il y avait des, euh, des voyages réguliers de bateaux à vapeur entre les différentes villes sur la Garonne. Bon, alors ça c'était un peu pour vous donner le contexte dans lequel ces deux hommes arrivent euh, à Bordeaux. Euh, bon, je ne vais peut-être pas refaire le point sur euh, la, la vie d'Haussmann. Euh et encore une fois, malheureusement, vous ne voyez pas, parce que là, une des choses que je voulais indiquer, c'est que la vie d'osman a été beaucoup marquée par les événements politiques, beaucoup plus que celle d'Alphonse. Euh, D'abord, déjà au moment de la révolution de juillet, il, a, il était dans une escarmouche un peu par hasard, mais qui l'a fait être remarqué. Euh, il s'est senti très à l'aise euh, assez rapidement dans, le, dans le, euh, la monarchie de juillet. Peut-être en partie parce qu'il était entouré de, de personnes liées à ce gouvernement. Il avait été à l'école avec le, euh, le fils de Louis-Philippe. Euh, et puis parce que c'était un gouvernement de l'ordre. Oui, ça, je n'ai pas suffisamment insisté tout à l'heure, mais ce qui est important, c'était un gouvernement de l'ordre. Et une des choses les plus importantes pour Haussmann, c'était l'ordre. Il fallait de l'ordre pour que la société puisse fonctionner, pour que les gens puissent agir et pour que, éventuellement, toutes les couches de la société puissent s'enrichir. Donc, il y avait. L'ordre qu'il estimait était là avec le gouvernement de juillet. Par contre, au moment où euh, il y a eu la, euh, la révolution de février 1848, euh, il a décidé que c'était un nouvel un nouveau gouvernement qu'il ne pouvait pas servir. Il a démissionné de son poste de sous-préfet. Mais comme il était connu pour ses capacités à, à maintenir l'ordre et à à faire fonctionner les choses, on l'a quand même convaincu de rester sur place, enfin pas tout à fait sur place, parce qu'il a quitté Blaye, il est revenu à Bordeaux pour donner sa démission au préfet à Bordeaux, et là, euh, qui lui-même a aussi donné sa démission, euh, mais qui lui a conseillé de rester à Bordeaux comme conseiller de préfecture. Et donc, il a passé encore quelques années à Bordeaux dans un rôle qui est, semble être un rôle très secondaire, mais où il a pu l'organiser de telle sorte qu'il était en fait la personne qui gérait plus ou moins euh, la préfecture, derrière un, un préfet de, de carton. Euh, donc, il reste, il reste euh, euh, comme conseiller de préfecture euh, jusqu'à ce que Louis-Napoléon devienne président de la République. Et là, il est vraiment heureux parce qu'il a cette ancienne fibre napoléonienne. Il croit en. Euh, la mission de Louis-Napoléon euh, Bonaparte. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on lui propose un poste de préfet, il devait juste recevoir son premier poste de préfet avant la Révolution de février. Mais là, quand en 1949, on lui propose un poste de préfet, il l'accepte. Et il quitte Bordeaux il va à Draguignan pour deux ans. Euh, J'ai fait une erreur, pardon, préfet de la euh, Gironde. Et il revient comme préfet de la Gironde à Bordeaux. Et là aussi, c'est un, un événement très politique. Il est nommé juste quelques jours avant le coup d'État. Et son, sa mission, quand il arrive à Bordeaux, c'est de faire en sorte que le coup d'État soit accepté. Et c'est un vrai coup de poker. Enfin, il voyage de nuit. Il arrive juste au moment où il y avait une réunion des, des notables locaux qui, qui voulaient lancer une action euh, anti-coup d'État. Et il arrive parce qu'il les connaît bien, parce qu'il connaît tout le monde personnellement, il connaît les relations entre les gens. Il arrive à, 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 à calmer le jeu et à faire accepter le coup d'État. Puis ensuite, il l'aide à organiser le plébiscite, etc. Donc là, il devient politiquement très actif. C'est aussi son rôle comme préfet, jusqu'à ce qu'ensuite il soit appelé préfet de la Seine. Maintenant, on va passer à Alphand. Alors, Alphand donc, euh, euh, entre à l'école polytechnique, puis ensuite aux Ponts et Chaussées. Euh, et on trouve l'évolution de sa carrière dans les annales des Ponts et Chaussées, où il y a des mentions. Alors, c'est très organisé, comme les documents dont euh, Chiara Santini parlait tout à l'heure. Il, il y a une règle, c'est toujours euh, représenté de la même façon il y a toujours le même type d'informations. Euh, et donc, on le voit apparaître dans les annales pour la première fois en 1940, où on indique qu'élève ingénieur, il va remplacer monsieur Le Mercier qui quitte l'arrondissement de la Gironde. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en 1840 euh, en Gironde. Alors on voit à chaque fois qu'il y a des concours, des classements, des avancements, tout, il y a des listes très précises, donc on peut vraiment suivre euh, euh, sa carrière. Et donc on voit que quand il arrive en Gironde, il est encore élève seconde classe. Et puis petit à petit, sa, sa carrière progresse. Euh, on voit donc, euh, il est en Gironde d'abord, il devient aspirant, et il est dans cette petite équipe de la Gironde, euh, sous les ordres de deux ingénieurs en chef, dont l'un, euh, euh, oui, euh, en particulier Deschamps est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle déjà très important à Bordeaux, c'est lui qui a construit le pont de pierre, et ainsi que d'autres choses. Il a travaillé sur, euh, euh, sur les Landes et il va rester le chef supérieur d'Alphan pendant tout le temps de la carrière d'Alphan à Bordeaux. Donc on voit, il y a les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires dont les aspirants, et puis des conducteurs de travaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que très vite, il reçoit une autre mission, et alors je ne sais pas si c'est normal de, de donner ce type de mission à quelqu'un qui n'est qu'aspirant. On le nomme à la commission de surveillance des, vapeurs, des bateaux à vapeur et il va rester dans cette commission euh, de nombreuses années. Ensuite, sa carrière évolue. Deux ans plus tard, il devient ingénieur deuxième classe. Alors je ne sais pas qui connaît le corps des ponts et des chaussées sait si c'est une progression rapide ou pas, si c'est une progression euh, normale. Mais en tout cas, donc le voilà ingénieur seconde classe. Et en tant qu'ingénieur seconde classe, il continue. Il est toujours sous les ordres du même ingénieur en chef. Et euh, donc euh, il devient... Oui, alors il était dans les premiers temps dans les services ordinaires. Et puis à un moment, il devient membre des services spéciaux. Alors il y a des services spéciaux qui, je crois, sont créés pour gérer les sommes qui sont mises en place, les sommes spéciales mises en place par ces différentes lois de développement des infrastructures. Et donc pour chaque département, il est indiqué à quoi sert les fonds spéciaux que ce département reçoit. Le département de la Gironde reçoit des fonds spéciaux pour les ports maritimes de commerce du département de la Gironde, des phares et des balises, travaux de défense de la pointe de la Grave, donc là où la Gironde arrive euh, dans l'océan, études relatives à l'amélioration de la navigation de la Garonne au-dessous de Bordeaux et à l'ouverture du canal des grandes landes, pont de Bordeaux, etc. Donc il est nommé dans cette section et il restera dans la section des services spéciaux jusqu'à la fin de sa carrière bordelaise. Alors un détail, ils sont plusieurs ingénieurs à être dans les services spéciaux. Chacun a ses fonctions, et lui, ses fonctions, c'est travaux neufs et entretien des ports de Bordeaux et de Lormont, les travaux du port de la Teste, la surveillance du chemin de fer de la Teste et du canal d'Arcachon, et l'entretien du pont de Bordeaux. Tout ça est le rôle de Monsieur Alphon, ingénieur ordinaire. Euh, novembre 1950. Euh, il continue ce travail, mais il reçoit un travail supplémentaire, je vous dirai tout à l'heure pour pourquoi. Euh, sous la direction du même ingénieur en chef, euh, il, devient, euh, il, devient surveillant, il devient surveillant du chemin de fer, de la test, et il, aussi, enfin, il doit travailler aussi, surveiller l'exploitation commerciale. Et donc on le voit apparaître ici, au service de contrôle et de surveillance des chemins de fer concédés, en précisant bien... Que les fonctions d'inspecteur de Ils font... ces fonctions concernent l'inspection de l'exploitation commerciale, c'est-à-dire qu'il s'occupe de finances. Alors, peut-être parce qu'il avait déjà une expérience des finances, peut-être parce que, ou peut-être c'est là qu'il gagne une première expérience des finances qui lui sera ensuite très utile dans la suite de sa carrière. Et ceci va aussi continuer, je crois, jusqu'à jusqu la fin de sa carrière euh, bordelaise. Août 1853, promotion de nouveau, il est nommé ingénieur première classe. Et puis dernière mention, janvier 1855, une mention très laconique. Monsieur Joly, ingénieur ordinaire, actuellement attaché au département législatif de service de navigation de la Garonne et du canal latéral, euh, sera attaché au service ordinaire et au service maritime du même département en remplacement de Monsieur Alphon, appelé à une autre destination. Voilà son départ pour Paris. Il a été appelé à une autre destination. Euh, alors, je voulais juste rapidement passer en revue. Les travaux <coughs> pour lesquels il est connu, et bon, quelqu'un qui a fréquenté les, les archives de Bordeaux doit en savoir plus, et connaître plus de choses là-dessus et savoir, connaître d'autres travaux. Évidemment, le plus important, c'est les quais verticaux. Et ça, le peu de fois où le travail à Bordeaux de Alphon est mentionné, les quais verticaux sont mentionnés. Euh, par exemple, donc, dans un, un livre qui fait le, euh, qui a eu une notice sur toutes les personnalités notables girondins indique que attache attacha son nom à une foule de travaux importants et utiles, parmi lesquels nous citerons la construction dans la rade de Bordeaux d'un quai vertical permettant aux navires de plus gros tonnage d'opérer à terre leur chargement et leur déchargement. C'est le seul travail qui est cité en exemple. Haussmann, dans ses mémoires, plusieurs fois, quand il parle d'Alphand, il parle d'autres choses et puis il mentionne que euh, était un habile ingénieur chargé d'un travail remarquable au port de Bordeaux. Et que je sais de la considération méritée de ses collègues. Donc, c'est vraiment le travail d'Alphonse qui est continuellement mentionné. Et on l'a vu dans le premier texte que j'ai lu, c'était mentionné comme vraiment un travail extraordinaire. Il avait réussi à combattre la nature du fleuve et à vaincre. Euh, cependant, on trouve dans des textes un peu plus tardifs, donc qui ont été écrits plus ou moins 50 ans après, quand il y a eu des Gros travaux de restauration des ports de Bordeaux, que en fait c'était peut-être pas si bien que ça, ou en tout cas cinquante ans après, euh, il y a plusieurs publications, celle-ci et puis celle-ci dans les Annales des Ponts et Chaussées, qui expliquent que les quais ont été mal faits, qu'il y a eu continuellement des problèmes, que ça a coûté très cher de les entretenir et que maintenant on va les rénover et changer complètement la manière dont ils ont été construits. Mais bon, tout ça c'est cinquante ans après euh, la construction de ces quais. Alors les Landes. Dans les Landes, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de projets depuis longtemps, depuis déjà le XVIIIe euh, siècle, ensuite avec Napoléon, 19 XIXe siècle, pendant toute la durée, aussi la fin euh, euh, oui, même la monarchie de Juillet. Enfin, régulièrement, il y a des personnes, des euh, ingénieurs des ponts et chaussées dont la fonction est de travailler sur euh, l'amélioration des Landes de Gascogne. Et encore une fois, il y a plusieurs, plusieurs projets des projets de route, des projets de canal. Et un des canaux, c'est le canal ouvert en 1840, le canal des Landes, qui est d'abord ouvert pour euh, euh, les marchandises. Ensuite, euh, il y a un peu de transport de public, mais ça ferme en 1860. Les chemins de fer. Alors, d'une part, il y a une des grandes lignes de chemins de fer prévues par Le Grand qui relierait Paris euh, euh, à l'Espagne et qui passe par Bordeaux. Euh, voilà, qui passe par Bordeaux et Bayonne. Alors, il y a plusieurs projets avant que la ligne finale soit décidée. Et finalement, le train ne so enfin, le la voie de chemin de fer ne sera inaugurée que bien après le départ euh, d'Haussmann et d'Alphon pour Paris. Mais les projets sont bien antérieurs, enfin, ou en tout cas antérieurs à leur arrivée. Et puis, il y a des chemins de fer locaux. Et là, le chemin de fer de Bordeaux à la Teste, qui est également lié à ce, ce développement de. Euh, des Landes, l'invention de la ville balnéaire d'Arcachon, il fallait pouvoir y aller facilement. Il y a un canal, il y a un, un, une voie de chemin de fer. Et là, donc la, la ligne est mise en service en 1841 et Alphand comme, reçoit comme fonction de surveiller le chemin de fer de la Teste et le canal. Euh, donc, c'est deux moyens d'accès à Arcachon. Et en 1848, mise sous ces caisses de la compagnie, et c'est en effet depuis 1850 que Alphon travaille au service de contrôle et de surveillance et de chemin de fer concédés, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc ce n'est pas, pas tout à fait par hasard, c'est concomitant à des événements, mais c'est quelque chose, une compétence particulière qu'il semble avoir. Et puis le canal finalement a été repris. Euh, encore une fois par les frères Péraire, quoi qu'en général, les frères Péraire étaient plutôt intéressés par le développement des chemins de fer. Donc en général, quand ils reprenaient un canal qui était parallèle à un chemin de fer qu'ils avaient construit et qu'ils avaient l'intention de construire, ce n'était pas un, un, un futur garanti pour le fonctionnement du canal. Non. Alors au bout du canal, au bout de la ligne de chemin de fer, c'est Arcachon et un des projets d'Alphand est le débarcadère d'Arcachon, que vous voyez en bas, puis la vue depuis le débarcadère sur Arcachon, sur la baie d'Arcachon en haut. Alors ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'était d'Alphand ingénieur. Mais comme je vous le disais, Alphand est devenu bordelais. Par son mariage, il est aussi devenu notable bordelais. Et en tant que notable bordelais, il y avait toute une vie dans cette communauté de notables bordelais euh, Osman, dont Haussmann faisait également partie, bien qu'à un autre niveau. Donc, d'une part, ils avaient des sociabilités en commun en tant que notables régionaux, et puis évidemment, ils avaient des vies aussi très différentes. Alors, c'est important. Et c'est important, la, la question des relations familiales, c'est vraiment quelque chose d'aussi important que la construction de la carrière. Et quand Haussmann parle de. Euh, plusieurs des personnes euh, qu'il a connu, il indique souvent si, euh, comment ils se sont mariés. Là, par exemple, allié par son mariage à l'une des familles les plus honorables du grand commerce, il avait à Bordeaux une excellente situation, des relations agréables dans le meilleur monde, et puis en plus, il exerçait une influence marquée sur la jeunesse dorée de cette ville, non moins élégante que riche, depuis l'organisation des fêtes de charité qu'on lui devait. Alors, il, il fait un commentaire comme ça aussi sur Belgrand, sur le mariage de Belgrand. Alors les bals de charité semblaient avoir été vraiment quelque chose dans lequel Alphon avait excellé. Donc c'était une activité qu'il avait non pas en tant qu'ingénieur, mais en tant que notable. Euh, parce que, encore une fois, Ferret, qui, dans sa notice qui a été publiée en 1889, s'en rappelle encore. Il indique, c'est à lui, c'est à Alphon qu qu'on doit l'éclat des belles fêtes de charité de 1949 à 18, 1849 à 1851, dont Bordeaux garde encore le souvenir. Et Alphon, enfin, Haussmann était présent, il a apprécié ses fêtes, et donc il a voulu aussi utiliser ses capacités, Haussmann euh, a voulu utiliser les capacités d'Alphon à organiser ses fêtes, et donc il le dit quand il décrit la préparation de la visite et du bal donné lors de la visite du prince président en octobre 1952. Alors, sur mon insistance, le maire, alors il a, je ne pense pas qu'il a eu beaucoup besoin d'insister, parce que c'était un petit monde où tout le monde se connaissait. À l'époque, Alphand était déjà conseiller municipal à côté de ce maire. Donc euh, bon, je ne pense pas que l'insistance était nécessaire. Mais bon, sur mon insistance, le maire consentit à charger de l'exécution de la fête M. Alphand, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, l'habile conducteur du quai vertical de Bordeaux, il euh, faut bien préciser, l'homme de goût dont j'avais remarqué le talent d'organisateur et de décorateur dans les fêtes de charité du printemps, et quelquefois utiliser le concours officieux pour les bals de la préfecture. Donc il y avait déjà, euh, depuis bien avant, ce que les bals de la préfecture, il devait y en avoir même avant, euh, donc pendant la période où euh, Alphon était secrétaire de préfecture et pas encore préfet. Donc c'est une connaissance assez euh, déjà ancienne et construite euh, qu'il a avec Alphon. Alors un autre texte, une autre activité des, des notables, c'est de faire partie de différentes sociétés, des sociétés savantes, des sociétés de bienfaisance. Et encore une fois, euh, Haussmann en cite quelques-uns. Il parle de la société philomatique dont Alphon était également euh, membre, il en a même été président. Il parle de la société d'agriculture de Gironde, et puis il parle de la société d'horticulture de Bordeaux. Alors je ne sais pas si Alphon en était membre, mais euh, Barrier Deschamps euh, a, en a été le secrétaire. Et cette société d'horticulture, alors à l'époque l'horticulture, ce n'est pas juste de la décoration, il y, y a une vraie force économique derrière, un point économique derrière. Et donc dans cette société d'horticulture, il y a les collègues armateurs qui ramènent des plantes, et parmi les collègues armateurs, peut-être les beaux-parents, la belle famille d'Alphonse. Et donc ces plantes continuent ensuite leur vie, en viendront à Paris avec Alphonse et barillé des champs. Alors, peut-être peut c'est intéressant de voir que le, le contact le plus euh, intense que probablement Haussmann avait avec Alphand, c'est autour des plantes et la construction, la réalisation de ces fêtes. Alors, un dernier aspect de la vie d'un notable bordelais qui veut être actif dans sa, actif dans sa communauté, c'est d'être, de faire de la politique. Et donc, en septembre 1852, il y a des élections municipales à Bordeaux euh, et il est élu conseiller municipal. Alors auprès du maire Antoine Gauthier, qui était déjà maire auparavant, euh, alors à l'époque les maires étaient nommés par le préfet, et donc le préfet nommait quelqu'un qui lui convenait. D'ailleurs, le, le préfet faisait beaucoup pour que les élections se déroulent d'une façon qui lui semblait appropriée. Et là, il s'agit d'un... Euh, le maire était le, une des premières personnes qui a décidé d'accepter le, le coup d'État quand Alphon est, est revenu comme préfet, et donc un peu par remerciement de sa fidélité, euh, Haussmann l'a renommé euh, de nouveau maire pour un deuxième mandat, puis il en a fait d'autres. Alors, à la première réunion du nouveau conseil municipal, euh, Haussmann est venu et il a fait un grand discours pour indiquer quels étaient ses projets pour la ville, parce qu'en tant que préfet, il était aussi, dans sens où il se considérait en charge du futur de la ville, et il avait évidemment une vision pour Bordeaux. Au cours de cette première réunion, également, le conseil municipal s'est organisé et Alphand a été nommé membre de la commission des finances et des travaux publics, donc deux aspects qu'il connaissait bien, dans lesquels il avait des compétences. Une chose intéressante, en juin 1853, parmi les différents projets sur lesquels travaillait la ville et les projets sur lesquels Haussmann voulait que la ville travaille, c'était l'extension, l'annexion des communes environnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui s'est passé à Paris, qui a eu du mal à se passer à Bordeaux. Euh, mais qui a déjà été préparé. Et donc, euh, enfin, c'est quelque chose qui... Je crois je ne sais plus où... Non, non je, je passerai en dessous rapidement. Mais... Donc, ce, ce projet d'extension de la ville, ce n'était pas un projet récent, bien que Haussmann dise qu'en fait, c'était lui. Euh, il dit ici, si « Je me consacrais avec ardeur à deux questions que j'avais abordées depuis quelque temps, que je réussis à faire aboutir assez vite, ce qui n'était pas le cas, l'agrandissement de Bordeaux par l'annexion des, des communes autour et l'ouverture d'un boulevard enseignant la ville. Euh, » Donc l'annexion, c'était un projet qui prédatait Haussmann. Euh, ça faisait depuis le début du siècle qu'on en parlait régulièrement et que ça, ça ne se faisait pas parce que les communes que Bordeaux voulait annexer ne voulaient pas être annexées pour différentes raisons. Euh, il a remis ça sur le tapis, il a nommé une commission, il a nommé Alphon rapporteur de la commission. Et, mais au moment où Alphon est arrivé avec son rapport, entre-temps, Haussmann avait été nommé à Paris. Donc il n'était plus là pour suivre la suite du projet. Et le projet ne s'est pas réalisé rapidement. Finalement, il y a eu une annexion pas aussi étendu que ce que Haussmann et euh, Alphon préconisaient euh, en 1865, donc 12 ans plus tard. Bon, juste rapidement pour vous expliquer ce que c'est, de quelle annexion il s'agissait. Donc encore une fois, euh, Bordeaux au XVIIe siècle, Bordeaux au XVIIIe siècle, le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Le projet d'annexion, qui était un projet vraiment euh, ambitieux, euh, qui englobait pas mal, plusieurs communes sur cette rive de la Garonne, euh, presque toutes les communes ou une grande partie des communes qui jouxtaient Bordeaux de l'autre côté, avec une grande vision. Enfin derrière ce projet, ce projet que Haussmann avait proposé, Oui, le projet que Haussmann avait proposé et que Alphon avait soutenu, euh, il y avait vraiment une vision de la ville. C'est pas juste une ville qui va avoir plus d'habitants et qui a besoin d'avoir plus de place. c'est une ville qui a des visions d'avenir, des projets d'avenir, il y a des voies de chemin de fer qui arrivent, il y a le, la Garonne qui va euh, être navigable pour des plus gros bateaux, donc il y aura la navigation aussi vers euh, la navigation transatlantique. Enfin, il y avait plein de projets de faire euh, développer la ville, et pour cela, la ville avait besoin d'une structure administrative qui lui permettait d'avoir ces projets de grande échelle. C'était un peu l'idée d'un grand Bordeaux qui finalement ne s'est pas réalisé. Alors, vous voyez, s'il y a eu un peu des territoires, fallait. Enfin, L'autre côté de la Garonne a été annexé comme le voulaient peut-être Alphand et Haussmann, mais le reste, il y a eu beaucoup moins d'annexions. Et puis l'autre projet dont parlait Haussmann, le boulevard circulaire, qui lui a été réalisé, se... parce que ça a été dessiné à l'extérieur des zones très construites, donc c'était relativement facile d'exproprier, plus que si ça avait été en zone construite. Et puis, dernier type de projet, euh, l'assainissement de la ville. Et voici donc un exemple de démolition d'un cloître euh, du Moyen Âge à côté de la cathédrale. Alors pour finir, euh, je voudrais juste dire deux choses. Une part, la relation entre Haussmann et Alphon à Bordeaux. Alors qu qu'est-ce qu qui dans Alphon a fait que, Bordeaux, que, que Haussmann l'a choisi ou lui a demandé de venir le rejoindre à Paris était-ce plutôt l'homme de société que l'ingénieur, donc l'homme de société habile à organiser Il avait besoin d'un organisateur, ça a déjà été dit. Et je vais plutôt, dans les différentes mentions qu'il fait d'Alphand, il mentionne toujours, ah oui, il a fait les quais de Bordeaux, mais quelque part, ce qu'il mentionne, avec, ou ce qu'il décrit le plus, c'est les fêtes et la situation sociale d'Alphand. Et en un sens, c'est intéressant de comparer comment il parle d'Alphand et de Belgrand, qu'il a également choisi. Pour Belgrand, c'est une discussion scientifique. Euh, sur, euh, le, euh, sur des questions géologiques qui a lancé euh, leur relation et qui a mené à ce qu'il écrit une sympathie mutuelle, ce, qui est, ce que Haussmann a peu écrit. Alors, Alphonse avec Alphonse, qu'ils avaient en commun, évidemment, l'amour de l'ordre et de l'autorité, une certaine relation politique, peut-être pas la même. Enfin, Jacques Alphonse était plus. Euh, s'adaptait. Euh, euh, peut-être Haussmann avait quand même des convictions plus fortes l'acceptation évidemment des conditions sociales, des conventions sociales et de la culture de leur classe, et puis en même temps la, la volonté et la force de travail, la capacité organisée, et puis le fait que Alphand partageait la vision d'Haussmann et qu'il savait mettre cette vision en pratique. Donc il savait faire le lien entre l'échelle de la vision et la grande échelle de la vision et la petite échelle de la réalisation au quotidien. Et le deuxième aspect c'est ce passage de Bordeaux à Paris. Pour ça, j'aimerais vous lire un paragraphe d'un article écrit par Augustin et Berriac. Alors, s'il paraît, paraît exagéré de considérer que Bordeaux est constitué un laboratoire pour les créateurs parisiens du système de parc, il reste indéniable que ces trois acteurs, c'est-à-dire Haussmann, Alphand, Barry et Deschamps, ont expérimenté des projets d'aménagement urbanistique et que c'est dans cette ville que se forme leur prise de conscience du phénomène urbain. Haussmann reconnaît dans ses mémoires que les tracés et l'architecture de la capitale d'Aquitaine l'ont largement influencé c'est un jeu d'interaction fondé sur l'ubiquité des hommes qui s'établit donc entre les expériences bordelaises et parisienne et donc quand même finalement pour finir sur une note plus personnelle Haussmann et Alphonse sont venus à Paris mais ils n'ont jamais cessé d'être bordelais ils avaient chacun leur belle famille à Bordeaux Haussmann était propriétaire enfin, sa femme était propriétaire d'un château, le château de Sestas euh, il l'a transformé, il y a créé un vignoble il y a écrit ses mémoires ouais, c'est signé de Cestas. il a eu des investissements dans les landes sur la recommandation des Péraires. enfin il, a, il est resté actif et puis euh, Alphon également voilà' dernier paragraphe alphon qui est devenu conseiller de la Gironde après être monté à Paris qu'il est resté jusqu'en 1668. Euh, avec un petit truc, il a dû démissionner parce que son élection n'était pas tout à fait selon les normes. Enfin, on avait un peu mal compté les votes. Euh, il est propriétaire d'un château euh, et il conseille, continue à conseiller la ville de Bordeaux dans ses aménagements de parcs et de promenades. Et à la fin, tout à la fin de sa vie, on le lui demande un projet de boulevard à Pau et il le fait. C'est l'année de sa mort, mais il ne le voit pas réalisé puisqu'il sera réalisé les années d'après. Voilà. Bon, Merci. je vous remercie pour votre attention. Et nous vous remercions.